Et bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oh là là, je me rends compte, je suis totalement en retard, je suis vraiment désolée. Wait, je vais te faire ça. J'espère que tout va bien. Comme d'habitude, j'ai toujours des problèmes droite à gauche. Hop. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais plutôt bien. Je suis un peu en retard là, j'étais genre merde, l'heure et tout, je faisais plein de trucs, j'étais en train de faire mes courses en ligne, bon j'ai pas fini parce qu'il faut que je voie avec mon frère pour aller les chercher et tout. Je vois qu'il y a déjà des gens sur le chat, hello Roger et merci. Super jeu pour le follow, merci beaucoup, je l'ai pas vu passer parce que c'était pendant le waiting screen. Bah, j'espère que vous allez bien. On est quel jour? On est jeudi, on est jeudi. La meuf complètement perdue. Moi ça va, je suis plutôt contente, bof. Ça va, tout se passe bien, j'ai eu des bonnes nouvelles cette semaine, j'ai été chez le coiffeur, donc tranquille, tranquille, regardez-moi ces cheveux, avec mon violet en dessous là. Ah, magnifique, magnifique. Hello la fille aux cheveux violets, hello, 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 j'aime bien parce que ça se voit pas quand j'ai les cheveux détachés, et hop, j'ai juste à faire... Non, on va faire l'autre côté plutôt, on verra mieux. Ah, j'ai les cheveux violets. Oh, bon, j'ai tout décoiffé maintenant. J'espère que vous allez bien. Oh là là. Vous avez vu le couvre-feu à 18h maintenant partout en France? Bon, on fait comme on peut. Déjà que bon, ça va être chaud parce que moi je vais sortir quand là? J'ai cours de 8h à 18h. Et j'ai pas de dérogation de mon employeur pour aller faire mes courses. C'est bien fait en tout cas. Merci, je suis tout contente. En plus, j'ai coupé mes cheveux. Et je suis contente parce que je les ai pas trop coupés trop courts. J'ai dû couper quoi 5 cm et ça fait du bien d'avoir un peu plus court et je trouve que le violet est tellement beau. Mais là ça fait tellement pas justice. Mais c'est un peu plus dur. Hein. Je galère avec mes cheveux. Non, ça galère à montrer. Faut le voir en vrai. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Bah moi, pas grand chose, pas grand chose. Je fais que bosser chez moi. Vive la vie sociale. Super, donc là on a vu les annonces. Bon bah c'est les étudiants. On pense à vous. Sauf les premières années. Et quand t'es en dernière année, t'es genre bon. Nous, bah c'est... Mon année est foirée. Bah foirée... Pas foirée... Dans les notes, je vais l'avoir, mon semestre, je vais valider, mais... Bon. Voilà quoi. Bon, sans plus tarder, lançons le jeu. Aujourd'hui, lecture de 4 sur World of Warcraft. Parce que j'avais pas du tout envie de faire du Animal Crossing. J'avais la grosse flemme de faire du Animal Crossing aujourd'hui. Donc je me suis dit... J'ai envie de finir... Je sais pas, aujourd'hui j'avais une envie de World of Warcraft. Donc... Je vais faire ça. Lançons. Je vois ma tête dans le ressort, je suis genre, waouh, j'ai l'air crevé. Après, moi j'ai avec vous au naturel, hein. Je suis pas maquillée, rien. Et la dernière fois j'étais en pyjama, là j'étais à deux doigts de le refaire en pyjama, mais j'ai fait non quand même. T'as des limites, t'as des limites. Capture, c'est bon. Jongle entre plusieurs streamers. À tout à l'heure. Pas de soucis, non, mais pas de soucis, hein, t'es pas obligé de venir sur mon stream, hein. t'inquiète pas, je t'en voudrais pas. Oui, j'ai vu qu'il y avait Louis-San qui streamait, je regardais Louis-San juste avant de lancer mon live. Il est marqué grosse annonce, mais je crois qu'il j'étais pas là quand il l'a faite. Allez, c'est parti. Je crois que mon stream va pas durer très très longtemps, j'ai tellement de choses à faire. Je suis son modo. Ah oui, va faire ton job de modo là. Moi par exemple, mes modos ne sont pas là moi aujourd'hui. Ils ne veulent pas venir. J'ai un modo, une modo et elle ne vient pas. Peut-être je la verrai plus tard. Oh non, on était là, on était dans l'antre. Oh dear lord, on va ne pas pleurer. Ne pas pleurer, ne pas pleurer. Bah let's go. Ah oui, c'est vrai. On peut pas mount. Let's go. Donc là, j'aimerais bien qu'on finisse au moins la suite de quête de Maldraxxus. Donc normalement, ça devrait être à peu près bon aujourd'hui.
Je pense. En tout cas, on va essayer de finir la suite de quêtes dans l'antre. Ok, une trentaine de quêtes. 34. Oh, j'ai oublié de couper la musique. Yes. Elle va faire quoi? Amulette des cavaliers chargés. Donc faut que je tue. Je dois Il m'approcher. faut que je tue des mecs. Apparemment lui aussi il a la même quête que moi. Je suis trop loin. Je suis hors de portée. Oh mec il tue trop vite. Je dois me rapprocher. J'essaie de choper les mêmes mobs qu'eux parce qu'ils tapent bien, ils tapent bien. Je suis hors de portée. Oh, le mec il pull tout. Le mec il pull tout. Et c'est un héros. Non, c'est moi qui ai tout tanké. Ok, il m'en faut encore un. Viens là, mon ami. Cent vingt, mercredi. Je crois que c'était 100. J'ai chaud. Yes. La lunette scintille d'un rouge éclatant. La lunette décharge une forte chaleur dans votre main. Vous ressentez toute la puissance de la magie qui l'anime. Peut-être l'enchantement dont vous a parlé Bolvar va enfin pouvoir vous aider à trouver Morgraine. Ah, yes, c'est vrai qu'on ne peut pas mount! Parfait, il a poule, je vais pouvoir sauter. Je vais pouvoir sauter d'ici. Et je bubule. Oh nine, nine, nine. I'm in a caca. Merde, c'est quoi l'autre? Ah, je suis morte. Yes! Qui a tout réuni en faisant une dinguerie? It's me! Allons-y à pied, à pied, à pied, allons-y à pied, marchons en se chantant. Didam, didim, dadidadidoum, diday. À la file indienne, indienne, indienne. La file indienne, nous marchons en chantant. En train de me dire, est-ce que vous avez le son du jeu? Oh, ouais, c'est bon. Vraiment que un jour je retrie mon OBS, là, il y a 36 000 inputs, la moitié ne servent à rien. Darion est emprisonné dans la cage. Il semble inconscient. Darion est inconscient. Yes.
La cage est verrouillée. Yes. Il sera difficile de forcer l'ouverture. La personne qui détient la clé peut être ce marqué dont il a parlé. Oh yeah. Faut qu'on remonte tout. On remonte tout. Qu'est-ce qu'il y a là, gros? Je vais pouvoir courir, courir, courir. Sorry for this song. En plus, I'm a bad singer. Je déteste le parfait. Mon dieu, ici. Bouge ton fion plus vite! Yes, on doit tuer le monsieur. Au moins on est deux à l'attaquer, ça c'est bien. Yes. Quoi, l'autre il est mort ou quoi? C'est qu'est-ce que ça se fait là que je... J'ai l'impression de le faire seul. Yes. Redescendons. Hop là, c'est bon, je l'ai pas aggro, je l'ai pas aggro. Merci. Maintenant que je suis libre, mes forces devraient vite me revenir. Combien de temps ai-je passé prisonnier de l'ordre? Une éternité. 108, je peux être. Prudence, les yeux du geôlier sont partout. Jamais vous ne sortirez de l'ordre. Yes. Je me demandais ce que cherchaient les entreliges. Vous êtes cette âme mortelle qui est venue gâcher la fête. Quant à moi, je suis Venari, une humble négociante prisonnière de ce cruel royaume. Mais j'ai une proposition à vous faire. Venez. Et pourquoi nous aider, négociante? Votre présence ici ne fait qu'attirer l'attention, et ce n'est pas bon pour mes affaires. Sans vouloir vous offenser. Yes. Consentez-vous à écouter ma proposition? Eh bien, cette journée aura été pleine de surprises. Dites-moi, mortel, pourquoi êtes-vous revenu dans l'antre? Vous cherchez donc quelqu'un, mortel? Eh bien, figurez-vous qu'il est probable que je sache où cette personne se trouve. Laissez-moi vous faire une proposition. Cette amulette que vous portez, elle renferme un pouvoir intéressant. Si vous la remettez, je vous aiderai à retrouver ce baron Maldraxxis. Si vous quittez cet endroit, je ne veux pas me montrer grossière, mais je préfère rester discrète. Allons, ne perdons pas de temps. Le geôlier le remarquera. Il vaut mieux les éviter autant que possible. Qu'est-ce? Orbe de téléportation. Personne ne vous a... Dépêchez-vous, le temps presse. C'est grisant d'avoir une mortelle comme partenaire d'affaires, et cette amulette m'intrigue au point. Vous dites? Ah oui, le baron que vous recherchez. Il se trouve que j'ai entendu parler d'un baron Maldraxxis retenu dans la tour inférieure du fort de la perdition.
Vous devinerez que ce n'est pas l'endroit le plus accueillant. J'aimerais autant éviter d'attirer l'attention des gardes du geôlier, et par chance, je sais exactement comment faire. Donnez-moi le signal et je nous dissimulerai aux yeux des entreliges. Je peux nous dissimuler le temps qu'il faut rester. Allons-y. Il ne faudrait pas attirer l'attention avec un combat malvenu. Depuis combien de temps êtes-vous retenu ici? Plus que vous. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Qu'il faut rester là-dedans. Yes, on a aggro tout le monde. Yes. On recommence. Ce serait de la folie d'essayer maintenant. Ne perdez pas l'objectif de vue. Les grandes mises en scène vont devoir attendre. On va y arriver. Je peux faire attention. J'étais en train de penser à autre chose et... Pardon, je suis pas la seule, vous avez vu tous les cadavres au sol? Maxi n'est pas le seul prisonnier à secourir. Ah, vous parlez des mortels qui sont restés ici quand votre ami s'est échappé. J'ai bien peur qu'il n'ait été emmené à tourment. C'est la tour qu'on aperçoit au loin. Le geôlier y enferme ses plus belles prises. Alors vous allez nous montrer comment la prendre d'assaut. Ce serait de la folie d'essayer maintenant. Ne perdez pas l'objectif de vue. Les grandes mises en scène vont devoir attendre. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Ce doit être le baron que vous cherchez. Le margrave. Mais je connais cette voix. Impossible. Le baron serait mon père. Ah non. Ça fait si longtemps. Mon père, Alexandros Morgan, le porte-cendre. Je ne pensais jamais le revoir. J'étais tellement omnubilé par notre mission, depuis notre arrivée dans l'Ombre-Terre, que je n'ai pas envisagé une seule seconde que l'âme de ma famille pouvait se trouver ici. Je ne connais pas ce royaume qu'on appelle Madraxxus, mais j'espère qu'il est digne de mon père. Nous devons le libérer, j'ai tellement de choses à lui dire. Vous pensiez vraiment que votre présence passerait inaperçue? Vous ne repartirez pas d'ici. Ah, c'est sans issue. Eh bien, montrez-nous donc cette puissance dont tout le monde parle. Zone sécurisée. Yes. Ah,
Consécration, hop. Heureusement que je suis pas la dingue et que je peux me soigner. Je ne vous remercierai jamais assez. C'est comme si l'antre était vivant et qu'il avait pris conscience de notre présence. Nous devons quitter cet endroit sans tarder. Boulevard doit être informé de ce qui se trame ici. Je m'occupe de mon père. Conduisez-nous hors d'ici, et vite. Ah yes, bon, je prends le portail. Voilà qui conclut notre petit marché. Vous trouverez la pierre d'accès un peu plus haut. Venez-vous faire affaire. Je vous en prie, sans entrave. Dites-moi que vous avez de nouvelles intéressantes. Il est temps de vous faire venir, de vous faire sortir d'ici avec vos associés. L'heure est venue pour vous de partir. En tant que sans entrave, vous êtes capable d'activer et d'emprunter la pierre d'accès entre l'antre et la terre qui se trouve dans l'au-delà. Bien que vos compagnons ne puissent pas en faire de même, il est néanmoins possible de les faire passer avec vous. En effet, les âmes peuvent être reliées. En théorie, quelqu'un qui entra en communion avec votre âme au moment où vous activez la pierre pour l'utiliser en même temps que vous. Un lien même éphémère pourrait suffire. Mettez donc mon hypothèse à l'épreuve avec vos deux invités. Évitez de mentionner ma présence ici. Et si vous veniez à replonger dans cet abîme de souffrance, essayez au moins de me rapporter un souvenir intéressant. Je suis trop loin. Voilà, c'est dire qu'on va finir Maldraxxus là, parfait. Ah non, je peux pas transmog ici. Ok. Là. Ma petite transmog, il va tout bien là. Généralissime, nous avons réussi à vous voilà de retour, saine et sauve, en compagnie de Darion et de son père. Décidément, rien ne saurait vous arrêter sans entrave. Il faut retourner en Maldraxxus sur le champ. Le margrave Craxus. Le margrave a été tué. Les élus ont plus que jamais besoin de votre lame. Non. Alors mon avertissement. Que je suis à fond. L'un d'entre nous nous a trahis. C'est Viras qui m'a précipité dans l'antre. C'est lui qui a porté le coup fatal à notre margrave. Il n'y a aucun doute là-dessus. Viras, depuis tout ce temps. C'est intolérable, nous devons venger Craxus et éliminer ce traître. Il vous a sûrement envoyé dans l'antre en imaginant que vous ne reviendrez pas. Il n'aurait pas dû vous sous-estimer, cette erreur lui sera fatale. Accompagnez Morgraine et tuez Viras, je me chargerai d'avertir nos troupes au siège du primate. Nous partons pour Maldraxxus immédiatement. Yes. Pierre de foyer. Je dois retourner sur Azeroth pour avertir nos amis. Mais dès que mon devoir le permettra, je reviendrai à tes côtés. Bye! Mon fils. Je te le promets. Valider la quête. Ok, donc là on va rendre la quête.
Je peux pas laisser la situation empirer. Je vais y mettre un terme immédiatement. C'est à cause de Viras que je me suis retrouvé dans l'antre. Il est de connivence avec la maison des rituels et la maison des assemblages depuis bien longtemps. Je parie qu'il avait également l'intention de vous piéger dans cet enfer. Il est grand temps pour lui de répondre à cette trahison. Alliez-vous à moi et nous l'affronterons ensemble. Yes! Ça va, mon casque n'est pas dépareillé. C'est de l'or. Affronter Viraz. Si l'âme mortelle nous revient avec la baronne disparue. Bon, le temps que ça blablate. Ni les assemblages, ni l'antre n'auront eu raison de vous. Beaucoup de bonnes affaires pour les amis des Gremlins. Ce sont vos propres manigances qui vont causer votre perte. Vous allez périr. Ce naïf de Maugren qui préfère toujours la loyauté à la puissance. Mais c'est dans le choix des bons alliés exactement que réside la victoire. Et grâce au mien, je prends la place. Oh, grave. Trop mignon. J'ai des mascottes. Donc le mec ne perd pas de vie. Bouge ton cul, papy, viens m'aider là. Tu vois pas que je suis en difficulté? Et papy, viens m'aider. C'est normal ça? Que je me fasse défonce? It's that normal? Nous affronterons ensemble. Ouais, t'as pas bouché ton grand cul, hein, franchement. Mais l'autre il bouge pas. Qu'est-ce qu'il vous faut? Faut le descendre à combien là? Galère quoi, il veut pas crever. Enfin. Oh, fuck!
Jure que ça allait jamais se finir ce combat. Mais j'ai toutes les runes. Nous avons du mal à tenir la position, vous devez faire vite. Moi c'est quoi que je porte? C'est un truc à deux mains je crois. Non c'est... ouais épée à deux mains moi. Main gauche, main droite... Deux mains. Ouvrez la porte. Yes! Enfin, nous ouvrons la porte! L'ennemi des valeureux connaîtra la défaite. Yes! N'importe quoi. Alors, visiter dedans. Bonjour. J'y arrive déjà à rentrer. Siège du Prima, valider la quête. Ouais. Pas très reluisant ici, hein. T'as le trône. Ah, c'est lui qui nous parlait, non? À des moments. Hôtel en pierre. La lame runique brille plus intensément à mesure que vous approchez du vieil hôtel en pierre. Je suis le Prima. Votre présence dans mon sanctum signifie que les ténèbres se sont emparées de Maldraxxus et des autres royaumes de la mort. Il y a bien longtemps, les éternels ont puni notre frère Zoval pour trahison. Ils l'ont enfermé à jamais dans l'antre, le condamnant à... Si je peux faire. Comme les autres. Nil. La naga là. Tu pourrais Nil, hein. Elle a pas de pied. Elle a pas de jambes. J'ai les mains destroy à force de me les laver. Oh, anecdote de merde. L'ombre terre ne peut être sauvée qu'en réunissant à nouveau les éternels avant que le geôlier ne s'échappe de l'antre. Protégez-la. Tout sera perdu. Même en l'absence du Prima, sa sagesse est indéniable. Ce message a dû être laissé dans... merde, je crois qu'il vous dit visage. Vous êtes venu à Maldraxxus, les raisons de l'invasion du bastion. À présent, vous savez que la traîtrise se terre dans nos rangs et que des âmes nobles œuvrent à dresser la barre. Informez vos alliés d'Oripos. Dites-leur tout. Assurez-vous que l'avertissement du Prima parvienne aux éternels. Je serais honoré d'avoir l'occasion de me battre à nouveau à vos côtés. Grexus éternel, le geôlier, ce message est important. Retournez à Oribos, prévenez l'arbitre de ce qui s'est passé ici.
Dites-lui que nous allons nous assurer en personne qu'il n'y ait plus d'attaque de Maldraxxus. Ah, bah, c'est bien, mais bon, l'arbitre, comment dire, un peu adore un peu, quoi, donc je vais bien lui parler. Mais ça va être un peu compliqué. Ok. Bah, retournons à Ouribos. Il est où le point de vol? Et bah, nous avons fini les quêtes à Maldraxxus! Plus que deux! Ça finira donc jamais. Plus que deux zones. Pour le message. Ok. Hop. Ah, la musique. Yes. Magnifique la musique. Le moumoute. C'est le destin qui nous conduit à nous. Je suis ravi de vous revoir, mortel. J'espère que vous avez réussi à éviter une guerre entre le Bastion et Maldraxxus. Les informations que vous avez découvertes en Maldraxxus devaient mettre fin au conflit opposant les Nécroseigneurs et les Kyrians. Quant à ce message du Prima, c'est extraordinaire. Mieux vaut demander au conseil au généralissime Fort Dragon, mais il semble préoccupé. Des visiteurs de votre monde sont venus le trouver, et je dois bien dire qu'ils sont montrés particulièrement insistants. Les nuances des interactions entre mortels m'échappent, mais leur conversation semblait plutôt intense. Vous pourrez peut-être lui apporter votre aide dans cette affaire. C'est votre foyer. Oh, refit machine, hello! Alors on va refixer notre foyer ici. Yes. Valider la quête. Hop. Reprenons notre monture. Ok, donc normalement Maldraxxus. On a presque fini, non? Non? Je t'en prie. On a besoin de savoir si nos amis peuvent encore être sauvés. Fort Dragon. Talia Fort Dragon, si jamais je plonge mon regard dans l'antre. Avec Kalia Menethil, mais qu'est-ce qu'elle fout là? J'ai choisi de voyager jusqu'au royaume de la mort pour retrouver le père que je croyais avoir perdu. Bolvar Fort Dragon, l'un des plus vaillants héros d'Azeroth. Mais oui, ma fille, ici je n'aurais jamais cru. Mais oui, c'est son père. Mais oui, j'avais complètement zappé. Parce que j'ai posé la couronne du roi Lich sur ma tête, je voulais que le monde me croie mort, même ma fille, Talia. Je pensais qu'un mensonge causerait moins de peine que la vérité. Mais elle n'est plus la petite fille que j'ai laissée en Kul Tiras. Je me rends compte que mon choix était égoïste. Dame Menethil et elle m'ont demandé de sonder l'antre pour savoir si nos alliés sont encore en vie. Ce ne sera pas sans danger, mais je ne peux refuser. Aidez-moi à me concentrer sur l'homme brisé. Ensemble, nous apercevrons peut-être la vérité. What? Mais est-ce qu'on a fini la Maldraxxus? Mettons tout notre pouvoir. Oh, cinématique. Je refuse. Pas cette fois. Non. Non. Je connais cette voix. C'est pas Jaina, c'est pas l'autre là, comment ça s'appelle, l'elfe de la nuit là, Tyrande. Cherchez
Thrall. Non, c'est Jaina, Thrall et Bane. Ils sont entrés dans le siège du Prima. Ah, Sylvanas. Je reconnais sa voix, my queen. Sylvanas, my queen. Yes. J'ai reconnu la voix de Jaina et ce qui devait être celle de Thrall. Yes, j'ai reconnu les voix. Ces cris, c'est à vous glacer le sang. Je n'ai entendu ni Endur, ni Bane. Généralissime, êtes-vous certain de ne pas pouvoir recommencer? Ah ouais, hein. Elle n'a pas entendu Endur. Ces visions se payent chèrement. Et je n'ose pas recommencer si vite. Ah, le roi Lich n'a plus autant de pouvoir qu'avant, hein. Généralissime, cette âme porte un avertissement urgent du primat de Maldraxxus. Il doit être porté à tous les royaumes. Pouvez-vous l'aider, Auguste Voix? Nous avons encore à discuter de la signification de cette vision. Yes. Mais encore. Quelle vision troublante, mais nous ne devons pas nous perdre espoir. Auguste Voix. L'avertissement que vous avez reçu du Prima doit absolument parvenir à la reine de l'hiver, à Sylvarden. Les éternels doivent faire front commun face aux éternels en approche. La reine de l'hiver veille au bon fonctionnement du cycle de la mort et de la vie, dans sa forêt sommeillant dans un esprit de la nature qui attend de renaître. J'ai peur que la pénurie d'anima n'ait eu de terribles conséquences sur son royaume. Les fées nocturnes vous guideront jusqu'à la reine. Apportez-lui ce message, elle saura quoi faire. J'ai toujours pas fini Maldraxxus ? Si, hein ? Ok, j'ai fini. Yes. Bon, bah, allons dans ma zone préférée, Sylvarden. Magnifique. Oh, hello, Zetsui, hello ! Coucou. Allons dans ma zone préférée, vous allez comprendre pourquoi. Vous aimez Horizon Blind Forest? Vous allez aimer cette zone. Yes, 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 yes. Ma zone préférée! Oh, elle est tellement badass, ma Zandalar. Zandala, forever. Envoyez-moi en Sylvarden. Let's go, let's go, let's go, let's go. Je préfère Bastion, aucune originalité. Bon, Bastion, ce serait ma deuxième zone préférée, mais je trouve qu'en fait que Bastion ressemble trop à une zone sur Argus, là. Comment ça s'appelle la zone d'Argus? Azeroth... Non. Où déjà Argus? Argus? Ah, Mac Agri là. Cette zone là. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup. Et regardez-moi cette zone qui est magnifique. Je trouve qu'elle ressemble un peu à... J'ai déjà oublié tous les noms des zones. Non, Îles Brisées. À Valshara. Mais en plus beau. C'est vraiment magnifique. Bonjour. Bien, bien. Personne n'a passé le portail depuis des lustres, et certainement pas quelqu'un comme vous. Qu'est-ce qui vous amène en Sylvarden? Un message du Prima de Maldraxxus, dites-vous? Vous n'aviez pas eu de... Nous n'avons pas eu de ces nouvelles depuis très longtemps, ma foi. Ce n'est pas une blague, au moins. Voyez-vous, la reine n'a pas de temps à perdre avec les petits plaisantins. En revanche, moi si. Bédeline se penche vers vous et vous glisse quelques mots à l'oreille. Et en l'occurrence, il nous faut un lit de plus. Elle vous adresse un clin d'œil. Faites-moi voir ce message.
Vous allez apporter le dernier lys nocturne à Frêle Prune, Plume, et ensuite nous pourrons... Nous parlerons plus avant. Draxus, j'aime pas l'aventure non plus. Ouais, j'aime pas trop, mais moi non plus, c'est pas du tout mon style. Alors, il faut que je récupère des plumes. Des lys nocturnes, pardon. Oh, j'énerve des plantes. À peine arrivé, je détruis déjà la faune. Regardez-moi cette grenouille. Frêle Plume. Avez-vous trouvé le lys dont j'avais besoin? Une créance immortelle, voilà ce qui est un. Pouvez-vous m'aider à obtenir une audience avec la reine? Par là, suivez-moi. Et oui, ça va prendre 7 chapitres pour parler avec la reine. Ne peut vous recevoir. Elle a fort affaire aux quatre coins de Sylvarden. Cette pénurie menace la forêt entière. Votre voix est pareille à un oiseau qui chanterait seul dans la nuit. La magie de la reine protège jusqu'à la moindre. Les oiseaux chantent la nuit. Sans sa vigilance, tout serait perdu. Mais cette fois, surplomb du firmament. Nous devons agir en son nom. Au secours, aidez-moi! Vous voulez un poignard entre les côtes? Je vous avais prévenu de ne pas vous attaquer ici. Oh, j'ai commencé à les taper. J'espère que votre arrivée en Sylvarden est un signe augurant un meilleur avenir. Quelqu'un lui dit? Passons au marché. C'est qu'elle n'est pas la seule à être débordée à cause de cette pénurie. Pour commencer, vous assisterez mon amie Fée, nocturne ici présente avec son problème d'esprit grand. Débarrassez ce pauvre Falen de leur chef et Frêle Plume vous indiquera où aller ensuite. Si vous suivez, nous vous retrouvons à Tirmaval. Et à votre place, je ne m'éloignerai pas des sentiers battus. Sylvarden est une contrée périlleuse pour les insouciants. Ouais, c'est en fait, elle me dit qu'il faut que je fasse 400 quêtes et après je pourrais voir la reine, quoi. Ah là 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 là. Tu vas mourir. Yes. Si vous êtes capable de vous occuper de l'esprit grand, je peux peut-être vous confier des tâches plus intéressantes pour le compte Dame Bédelune. Excellent. C'est fou de bugax là en ce moment là. Consulte ces notes. Voyons, nous avons reçu une requête au sujet d'une graine sauvage en péril et d'un œuf. Le message d'origine n'était pas tout à fait clair, mais les faits qu'il a envoyés... Ah, c'est Corrent, une fois de plus. Eh bien, nous n'allons pas tarder à savoir quel ennui c'est encore attiré. Je vais partir à sa recherche. Par la voie des airs, quant à vous, ne vous écartez pas du chemin. Corrent a le chic pour s'attirer des ennuis. Voyons de quoi il en retourne cette fois. Parti ? Frêle Plume, par ici. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah oui, il a trouvé un œuf. Parlez à Corrent. Les amis de Frêle Plume sont mes amis. Je suis censé prendre soin d'eux, mais on me les a enlevés. Il reste si peu d'anima et j'ai dû faire mes adieux à tant d'esprits en sommeil, tant d'amis dont j'ai pris soin pendant des siècles. Mais l'ami Durmira devrait bientôt surveiller, je ne pourrais pas partir comme ça. Alors j'ai déplacé sa graine à un endroit plus riche en anima pour l'aider à tenir le coup. Et là, cet oiseau de malheur l'a enlevé. J'ai l'impression qu'il essaie de la couver comme un œuf. Elle incarne la raison d'être de Sylvarden. Les graines sauvages referment des esprits de la nature plongés dans un profond sommeil, comme la sienne Durmira, qui se trouve sous ses oiseaux. Si vous parvenez à la convaincre de quitter son nid, je pourrai la récupérer discrètement. Je suis ravi que Bédelune ait envoyé quelqu'un pour la remplacer. Vous savez qu'elle a fait généralement toute une histoire quand il s'agit de me donner son aide. Allez, vous voulez m'aider à virer cet oiseau du nid? Elle me lance un truc pour l'espoir. Je vais encore lui parler? Vous êtes mortel? Ah, je peux parler à celui d'à côté. Restez immobile.
Ah, je suis un oiseau. Ah, je fais une parade nuptiale. Hello, coucou. Hey, mademoiselle, ça te dirait une place à la menthe. Le truc ultime pour être une fille. Hey, mademoiselle, tu pourrais sourire. Ne faites pas ça, hein. Pire truc. Ah mais parce qu'elle est pas là, non? Que je fais ça dans le vide? Sinon tu as passé une semaine cool. Oui. Oui, ça va, ça va. Normal, j'ai été chez le coiffeur. J'étais chez l'esthéticienne, j'étais chez le psy, j'ai fait plein de choses, mais par contre, niveau finance, je suis genre... Ah! Faut que je me calme. Par contre, il est où cet oiseau de malheur? Mais oui, ça a été. Bonne semaine. Toi aussi t'as passé une bonne semaine? Je note pour pécho. Ah ouais, mais... Je te conseille de jamais faire ça dans ta vie, hein. Il est où cet oiseau de malheur, là? Faut qu'il ripop ou il est peut-être ailleurs? Mary Pop? Where are you? Est-ce qu'il est en haut? Non, hein, il est là-dedans. Dis-moi la Twitch Money, ouais. Hein, peut-être un jour je toucherai ma Twitch Money. Plus que 80€ et je toucherai ma Twitch Money. Mais il est où l'oiseau là que je vois pécho? Allez, où est cet oiseau? Tire-le. Peut-être que là, non? Il est pas en haut aussi? Bon. Yes! Puis tout à l'heure, je faisais ça dans le vide. Bonjour, ma belle. As-tu vu comment je chante bien? T'as la pogne. La pauvre va être tellement déçue après, ça me fait mal au cœur. C'est un peu comme dans le roi Arthur de Disney, là, quand il se transforme en écureuil. Il drague une... T'as une... Il se transforme en écureuil, t'as une autre écureuil qui tombe amoureuse et sauf que bah, il genre non, bah non, je suis un humain, je peux pas. Really, tout ça pour ça? Yes. Peut-être on va passer 56, hein, un jour. Entendu. Eh bien, c'était un sacré spectacle. Cet oiseau était prêt à bâtir un nid et élever ce petit. J'avais bien besoin de rire, moi. Très bien. Je suis aussi surpris que ravi de voir vous revoir en un seul morceau. Beau travail. À présent, nous avons une tâche bien plus amusante, moins amusante à accomplir. La reine a pris sa décision. Le bosquet de Zilocart va être abandonné et ses occupants doivent évacuer les lieux et le laisser s'éteindre. Et là, toutes ces graines sauvages ne pourront pas être secourues. Seules quelques-unes d'entre elles ont été sélectionnées pour être transférées ailleurs. À charge pour nous de remettre la liste définitive au Dromant Crenor. Je suis
très occupé, vous savez. Mais pourtant, je l'ai accepté cette quête. Suivez-moi. Ah, c'est en full bug. Ah, peut-être que je vais mettre mes add-ons un jour. Pas un jour, un jour. Oh, j'arrive même plus à parler, c'est fou. J'oublie des mots dans mes phrases. Faudrait que je mette mes add-ons à jour un jour. C'est dur à dire. Bonjour. Circuler, étrangère. Devant la courte liste de graines sauvages, le dromant Crenor soupire de lassitude. Au moins quelques-unes d'entre elles vont trouver refuge à Tirmanval. T'es trop mignon en loup. Vous remplacez Dame Baie de Lune, bon courage, je n'ai pas le travail qui manque. Si vous êtes ici à la place de Dame Baie de Lune, peut-être vous pourrez m'aider. Darewin, la charretière, escortait une poignée d'entre nous vers un nouveau bosquet, quand nous avons été attaqués par une meute de prédateurs affamés. La forme d'âme de loup était rapide, j'ai réussi à m'échapper. Mais les petits n'ont pas eu cette chance et ne sont traqués comme des proies. Allez-y, ils sont un peu plus loin sur la route. Yes! On s'est fait attaquer par des créatures affamées. Des âmes sont en danger. On ne peut pas abandonner ces graines sauvages. J'ai juré de les protéger. Tézanne, vous nous amenez des renforts. Aidez-moi, je vous prie. Vous êtes venu nous prêter main forte. Je cherchais à amener ces âmes en lien de sûr et pouvais faire un don de leur anima. Mais tout est allé de travers. La faune de Sylvarden n'est pas aussi agressive avant la pénurie. Je dois vite les conduire en lieu sûr dans le vallon aux esprits. Aidez-moi, je vous en prie. Je vais vous aider. C'est par là. Allez! C'est écureuil. Choufa! Oh, c'est trop mignon comme nom, Choufa! Oh, trop mignon! Là, sur votre tête, y'a plus de danger. Aidez-moi, je vous prie. Merci infiniment, vous nous avez tellement aidé. Moi et les âmes qui m'ont été confiées. Je vous en prie. Vive les paladines! Hop! Paladines! Si vous avez la référence. Oh, trop mignon, à part. Sylvanan ne reçoit plus d'âme depuis bien longtemps. C'est pourquoi il nous reste, celles qui nous restent sont si importantes. Je m'assurerai que Dame Baie de Lune soit informée du sauvetage héroïque que vous avez mené pour elle. Et c'est pour bien qu'elle décide de vous récompenser. Ouh, il y a eu des bottes. D'ailleurs, nous sommes plus très loin de Tirval, où Dame Baie de Lune vous a donné rendez-vous. Je vais partir devant pour annoncer votre arrivée. Ne vous éloignez pas du chemin et vous risquerez pas de vous faire dévorer. Enfin, normalement, à bientôt. Suivez la route et vous arriverez en Tirnaval. C'est parti. Alors, heureusement que je suis un paladin, hein, parce que le nombre de fois où j'ai failli mourir et que j'avais les soins. Bonjour. Que quelqu'un me vienne en aide. Ma grand-mère est gravement malade. Covid-aide. Nous cherchons à atteindre Tirval dans l'espoir que la Dromane puisse nous aider, mais elle est trop faible et la forêt est trop dangereuse. S'il vous plaît, aidez-moi. Ma grand-mère est cachée dans une grotte non loin d'ici. La pauvre, elle est si mal au point. Je suis Emmaüs, quoi. C'est si dur de trouver quelqu'un sur qui compter. I know. Oh, je passe bientôt un level. Yes. Oh. C'est le Sylvain qui normalement pas les respire difficilement. Si ça se trouve, elle est déjà au bord de la mort. Une seconde plus tard, l'un de ses yeux s'écarquille et vous observe fixement. Sa bouche s'ouvre en grand, tel un gouffre béant. Yes! Super mamie, hein! That's a trap. It was at this moment. Jackson knew. He fucked up. It's a trap! In the Star Wars. Vous êtes en train avec un sourire de coin. Et on peut savoir ce que vous fabriquez. Passons à la nuit maintenant, ça chauffe pour de bon. Vous auriez dû rester sur la route. Ça d'accepter des quêtes de tout et n'importe qui, hein.
Pauvre mamie. Ah, elle était Covid. Allez, continuons. Qu'est-ce que va être la prochaine chose à faire? Ramasser des fruits? Oh, trop mignon. Veux-tu être ma monture? Alors, on est presque pareil, sauf que ouais, il est céleste. Le Covid. Eh ben, oui. Tu le prononces comme tu veux. Le là, c'est clair qu'elle a nuancé ce qu'elle dit là, mais la majorité disent le, donc. Veuillez m'excuser. Je suis laissé dire que vous faisiez un superbe hurleur du Val. Je m'en souviendrai la prochaine fois que j'aurai besoin d'un oiseau pour faire une parade amoureuse. Bref, passons. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La reine va bientôt venir à Tirmaval. Ce bosquet restera ouvert pour accueillir les graines sauvages et les âmes. Elle sera bientôt là pour bénir son cœur et revigorer les lieux. Sera l'occasion pour vous de lui parler. Quel plaisir de vous revoir. En quoi, Frêle Plume, vous avez rempli votre part du marché? Que voilà une excellente nouvelle. De mon côté, j'ai du nouveau à propos de votre audience avec la reine. Yes! GG! Chapitre 1, niveau 56 d'un coup! Droman Tachemur. Les remous du temps se propagent à la surface d'une mer éternelle. C'est beau. Les animaux de la forêt, autant d'âmes mortelles ayant pris forme, gambadent dans le Valhom. Les animaux est une véritable manne pour la sylve. D'autant plus qu'il est offert avec la générosité de la pluie qui arrose les frondes. Mais le danger gronde, sournois et pénitieux. Une tempête ténébreuse de malveillance et de haine fouette les grands arbres et les créatures confrontées au péril cherche en vain un refuge. Secourez-les. Enfin, tout ça pour dire ça à la fin. Qui êtes-vous? Je suis Timène, fille de la forêt et proche parente des arbres. Quand la reine d'hiver a tendu la main pour créer Sylvarden, nous avons été les premiers à pousser. Les profondeurs de nos racines au sommet de nos fondations. Frondaisons. C'est nous que qui avons donné naissance au bosquet. Nous avons passé notre vie à servir jusqu'à que l'insondable cours des saisons soit écoulé. Et que le cycle recommence. C'est beau. I want to pick up... Putain, il faut vraiment que je mette à jour mes add-ons. Elle est là, la reine de la forêt, de la nuit. Elle est magnifique. Come on! Ah! Vous voyez pas, mais World of Warcraft ne répond pas. C'est bon. Des vents agités balayent Tirnaval. L'arrivée de la reine fait trembler les broches d'inquiétude. Tout doit être parfait. Les ailes de Tisrev s'affaissent sous le poids du souci. Le chaos tourbillonne autour des graines sauvages sous sa responsabilité. Calmer les eaux tumultueuses du bosquet. Ramener l'harmonie afin que Tisrev puisse à nouveau battre des ailes. Ils ont la classe des personnages importants de l'extension quand même. Ouais, mais la Dame de la Nuit est magnifique. Elle a une prestance, tu sais, t'es genre... toi, je te fais pas chier que les autres, t'es genre... genre Maldraxxus et... les vampires, là... Comment ça s'appelle, les vampires? Ravendress Bastion, ouais, ils ont la classe aussi. Mais deux autres, je suis genre... bof. Alors qu'il y a des gens, je trouve qu'il y a des gens, ils sont genre... mais les vampires, ils sont trop bien et tout. Je suis genre... ouais. Que votre esprit aille en paix. Alors, validez la quête. Let's go. Chapitre 1 sur 8. Je me rappelle que c'est tellement long. J'espère qu'on réussira à atteindre, parce que attends, mon...
Oh, j'ai 18 jours! Ok, les gens, ça va être full of Warcraft les prochains streams. Après, mon abo est fini. Nous avons 18 jours pour finir les deux régions qui restent. La Dame de la Nuit, mais j'adore cet endroit. Oh, tu es trop mignon, petit écureuil! Les grands arbres vous envoient nous aider, alors aidez-nous! Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? À quoi servent ces questions? Oh, c'est trop mignon! Choufa! Vilaine, méchant Sprigant, ils ont débarqué dans le bosquet et ont semé la pagaille. Ils ont pris l'anima des âmes étoiles, l'anima qu'on récoltait pour le grand arbre et son bosquet. Ils doivent payer. Comment j'y arrive plus? Dans le lore, une bonne correction. Ensuite, utilisez cette âme étoile pour leur reprendre l'anima. On en a besoin, pas eux. Oh non, non, mes pauvres amis, ils sont allés trop loin. Ils ont donné tant d'anima qu'ils ont perdu leur forme. Voyez-vous, on prend tous une forme en arrivant ici. Une forme qui nous convient. Et nous, on donne notre anima sans compter. Pour aider les bosquets. Mais parfois, on en a tellement que c'est trop. Moi, il me reste de l'anima. Mais je n'ai pas perdu ma forme. Conduisez-moi auprès de mes amis. Il faut qu'on leur rende leur forme à eux aussi. Oh, même mon animal spirituel, ce sera un écureuil, je pense. Ou un renard. J'aime bien l'écureuil. Easy. Ouais. Donc ça va être full World of Warcraft les jours qui vont suivre là. Hein. Les prochains streams, full World of Warcraft. Je sais pas en combien de temps là, je peux finir. En tout cas, je pense que mon animal totem c'est l'écureuil, parce que déjà j'adore les écureuils, je trouve ça trop mignon. Et je pense que ça me correspond, mais et en plus mon animus, c'est ça, mon animus est un écureuil. Voilà. Donc je me dis que c'est un signe, et que mon animal totem est bien un écureuil. Je manque de mana. Mazette, me voilà bien loin de l'endroit où je suis censée me trouver. MDR. Mazette. Oh, t'es trop mignon. Faut que j'aille là-bas. Geronimo. Allons-y. Oh dear lord. On va attendre que tout le monde soit là. Alors, j'ai plein de références à plein de séries. La moitié des gens les ont même pas. Je gère. Non, en fait, je ne gère pas du tout. Très bien, vous venez avec moi. Lulu, tu es vivant. Choufa, mais c'est trop mignon comme nom, Choufa. Je le retienne si un jour j'adopte un animal. Je crache pas sur les streams de WoW en tout cas. Bon, j'avoue que les miens c'est pas les plus passionnants. Tout va bien. Je faisais juste une petite sieste. Pourquoi tant d'agitation? Quel drôle de créature. Il me faut une cible. Verrouillé. Je veux de l'art. Et quoi, je veux de la harpe. C'est verrouillé. C'est verrouillé. Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? À quoi sert ces questions? J'adore. Vous avez trouvé mes amis, ils ont repris leur forme. Il nous reste une dernière chose à faire. Juste une. Yes. Mais ils sont morts là, non?
J'avoue que mon avis, mes screams de WoW, c'est pas le plus impressionnant. Hein. En plus, je fais que lire les quêtes. J'espère que ça vous plaît un minimum. Depuis tout à l'heure, je fais des trucs dans le vide, c'est ça? Ça doit être ça. Comment ça emporter plus? Another one. Il me faut d'abord une cible. Où est Choufa? Quelles sont les nouvelles? Volé, ils ont volé Nanuma, ils ont des thalatos de vitesse et... En fait, ça n'a rien d'étonnant, c'est dans leur nature. Abruti de Sprigant. Méchant, Sprigant, méchant. Ils prennent notre anima, on perd notre forme, et le pire de tout, c'est... Mixi, et lui qui commande les autres, il se déplace à dos de Grom en plus. Vilain Grom, ouah, trouvez-le, tuez-le. Vite, il faut que je tape. Comment ça, ça... Plus rien ne se prend là. Yes. Ah, est-ce que je fais bien Choufa quand je lis les quêtes? Magnifique, non? Comme vous pouvez voir cette magnifique monture Jaina Port-Vaillant. J'ai eu la semaine juste avant Shadowlands. Bon débarras, les méchants Sprigrants ne sont plus là. À nous les Vallons de l'Esprit. Partir maintenant, il faut partir. Allons à l'arbre. Vite, Choufa! Tels les glands qui donnent naissance aux forêts, le précieux et vital anima émane des âmes. Si petits soient-elles, elles sont impensables à notre survie. La forêt soupire de gratitude. Yes! Allez, on va faire l'autre quête. Oh, Liro, je suis tombé dans l'eau. Choufa! Le nombre de quêtes, je suis genre... Dear Lord. Nous sommes sauvés! Qu'est-ce qui vous amène par ici? Vous êtes nouvelle par ici, n'est-ce pas? Vous n'êtes ni une fée, ni une âme, ni même destinée à reposer dans une crâne sauvage. Et la Droman vous envoie pour m'aider, ma foi, voilà qui s'annonce fort intéressant. La nuit soit avec vous. Quelle que soit votre espèce, c'est un plaisir de vous voir en Sylvarden. Le bassin de la tranquillité sont un point de chaos le plus complet. Je ne sais pas où mettre les pieds si par malheur la reine de l'hiver voyait ça. Cet endroit est censé être un havre de paix où nous alimentons les graines sauvages en anima. Mais depuis la pénurie, des créatures affamées empiètent sur les bassins et cherchent à se nourrir elles-mêmes de notre anima. C'est bien triste, mais il va falloir les éliminer, ou elles risquent de mettre en péril la survie des esprits qui reposent dans les graines sauvages.
Nous nous servons des glands d'anima récoltées dans les parages pour imprégner les graisses sauvages d'anima. Mais depuis que les soignes pousses ont disparu, plusieurs d'entre eux ont été délaissés. C'est une véritable catastrophe. Il faut y mettre fin il faut mettre bon ordre avant l'arrivée de la reine de l'hiver. J'ai déjà rassemblé des glands d'anima dans un panier. Prenez-les et imprégnez d'anima quelques-unes de ces graines sauvages. Je vous montre la marche à suivre, après quoi je partirai à la recherche des soignes pousses qui manquent à l'appel. Les cultivateurs doivent nourrir les graines en anima, et les esprits qu'elles abritent ne peuvent pas renaître. On a une par là. Assez d'anima pour toutes. Il a fallu faire des choix difficiles. C'est triste. Bon, finissez ici. Je vais à la recherche des autres cultivateurs. Ok, on va aller direct à la dernière graine, comme ça si dans le chemin on a des mobs, on va pouvoir les tuer. Un mob, est-ce qu'il y en a un autre dans le coin? Là. On la quête tout là-bas. Un monde de souffrance. Je me demande c'était quelle mascotte. Les plantes les ont dévorées. Oh non, pas encore. Alors, en temps normal, je n'aurai pas besoin de l'aide d'une créature de votre espèce, quelle qu'elle soit. Toutes mes excuses, ce n'est pas très poli de ma part. Il faut me comprendre. Sylvarden reçoit des âmes venues de tous les royaumes mortels. Il est bien difficile de me rappeler le nom de chacune de ces races qui habitent ici. À bientôt. Beau travail, les graines sauvages que la reine d'hiver a choisi de sauver devraient faire l'objet de soins constants. À présent, vous allez peut-être pouvoir m'aider à régler un autre problème. Flotter au gré des vents. La flore locale est devenue ingérable depuis que la pénurie d'anima fait rage. Des plantes ont même avalé la plupart des jeunes fées qui s'occupaient de nos graines sauvages. La bonne nouvelle, c'est que le mystère entourant leur disparition est enfin résolu. Inutile de paniquer, ce n'est pas la première fois que cela se produit et nous pouvons survivre un moment dans un système digestif. Prenez ma dague et éventrez ces buissons pour en libérer les autres soins de pousse. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le triste état de nos bassins de la tranquillité. En temps normal, cet endroit est très paisible. À en croire le soigne pousse, les plantes que vous voyez errer dans les environs ont dévoré toutes les glandes d'anima destinées à Tirna Vaal. Pourriez-vous leur faire recracher le bulletin Malaki? Nous avons des graines sauvages qui ont besoin cruellement d'anima. Ah, attends, do not loot. Ok, ouais. Je suis trop loin. Je fais tellement pas de dégâts. Je dois me rapprocher.
Non! Cet objet se recharge encore. J'ai eu peur. Elle en avait mangé combien cette plante? Allez, tout le monde sort. À la pile entière, entière, entière. On repart sur cette musique. Ici, c'est le continent de l'écologie. J'avoue, j'avoue. Ça donne une conscience d'être ici. C'est vrai que tu peux faire des analogies avec notre monde actuel, hein. Sûr, c'est pas Maldraxxus que tu verras l'écologie, hein. Ouais, je l'ai ouverte. Cet objet n'est pas encore utilisable. Non, je l'avais pas ouverte. Oh, il y en a plein là. Commande, commande, commande. Un mec mes poules. Sont les fleurs. Là, il y en a. Parfait. Pas loin de la quête. Sans se prendre les murs. Tout le monde s'est déjà fait manger par des plantes. C'est quelque chose qui arrive. Excellent, voilà qui nous devrait aider les bassins de la tranquillité à retrouver leur quiétude. Je dois reconnaître que j'ai craint le pire quand j'ai vu que les soins de pousse avaient disparu. Heureusement, il y a plus de peur que de mal. Vous avez trouvé les glandes d'anima, ils peuvent encore vous nous être utiles, même s'ils sont un peu visqueux. Croyez-moi, les esprits s'en moquent, tant qu'ils ont leurs deux anima. Toutes ces glandes d'anima, les temps sont durs, la moindre poussière d'anima compte, merci. Vous avez été une grande aide à Tirma Vaal, je dois apporter cet anima à l'une de nos graines sauvages les plus récentes. J'aimerais que vous veniez avec moi, après tout, c'est vous qui avez permis de retrouver ces glandes. C'est une expérience unique, vous verrez, allons-y sans plus tarder. D'accord. Votre mélodie a retrouvé tout son éclat, tisserait. Ah, oh, tout ça, c'est grâce à notre cher ami. Donc il y a la graine, voyons voir. Bienvenue.
petite graine sauvage n'était pas malveilleuse, elle ne regagnera pas son monde avant de longues années. Prenez les glands que vous avez trouvés et imprégnez-la d'anima. À bientôt. Oh oh, l'esprit de celle-là est en train de subir un cauchemar. Le pauvre doit avoir connu une fin tragique. Une goutte d'anima devrait permettre de l'apaiser. Quand ses rêves seront plus tranquilles, nous pourrons... Mais, attendez, il est en train de se lier à vous. Oh. Je n'ai pas vu ça depuis... aussi loin que je me souvienne. Il faut en informer la Dromane. Une graine qui se lie à son soigneur est une occasion rare et réjouissante. Quelque chose ne va pas. Son cauchemar est encore là. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ? Donc nous sommes liés à la petite graine. Prenez le temps de rêver. Le clair de la lune brille en tisse rêve, radieux et serein. Et deux fleuves forment un delta luxuriant. Une graine sauvage et une âme mortelle, découvrant la forêt pour la première fois, rapprochée par l'esprit et le destin. Il y a bien longtemps que les broches n'avaient pas assisté à un tel événement. La ville vous observe. Yes! Ouh! Chapitre 2, fait! Val va pouvoir accueillir la reine de l'hiver comme il se doit, et tout le mérite vous revient. Vous avez plus que tenu votre part des marchés, mais je ne peux guère en dire autant. Pour une fée comme moi, c'est tout bonnement inacceptable. Vous imaginez la réaction des autres s'ils venaient à apprendre que j'ai manqué mes devoirs? Je vous en prie, permettez-moi de me faire pardonner. Je n'ai peut-être pas réussi à livrer votre message à la reine, mais je vous réserve une surprise. J'espère que vous accepterez. Où es-tu? Waouh, regardez, c'est magnifique. Pour me faire pardonner, voici un cadeau. C'est une touche de la magie de Sylvarden. Faites-en ce que vous voudrez. Renforcement. Là, bien, maintenant que c'est réglé, attendez, qu'est-ce que c'est? Regardez, tous ces fées qui fuient le bosquet du Xylocard. Il se passe quelque chose. Je dois avertir la Lali. On dirait qu'on a encore besoin de votre aide. Je m'en serais douté, regarde, il reste encore 200 quêtes à faire. Tristesse. Le sang nous vient du Xylocard. La forêt tremble. À l'aide, le bosquet. L'ombre menace d'engloutir le bosquet de Xylocard et des choses grouillent dans les ténèbres, hors portée des regards. Un déluge de conflits et de terreur menace de noyer le bosquet du Xylocard. Un déferlement furieux qui chasse devant lui les Xivars paniqués. Affrontez le danger à dos de cerf, bravez cet ouragan et soyez la planche de salut de tous ceux qui risquent de périr dans la tourmente. Hâtez-vous, le temps nous est compté. Hâtez-vous, bah non, parce que je pense qu'on va arrêter le stream là parce que j'ai plein de choses à faire ce soir. Allez, quelle heure? What time is it? Je ne sais pas où est l'heure sur mon 22h41. Bah, what? Déjà? Ok, bah on va s'arrêter là sur ce soir, ça fait déjà 1h30 qu'on stream. Parce que j'ai tellement de choses à faire. Demain est une journée chargée. Yes. Hop. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là ce soir, j'espère que ça vous a plu. Faut qu'on se grouille à finir Warcraft là. c'est vraiment la dèche. Il nous reste 18 jours pour finir... les deux là, je sais pas en combien de streams on va réussir. Bon, on va essayer de faire comme on peut. Bah, déjà là, on a fait 1h30, on a fini Maldraxxus et on a déjà fait deux chapitres de Sylvarden. Bon, ça va aller. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être passé, d'avoir été là, merci beaucoup de votre soutien. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est là où je serai le plus active, Instagram et Twitter, YouTube pour les replays, Discord si vous voulez chatter. En tout cas, merci beaucoup. Mon prochain stream vendredi, c'est annulé. Je ne stream pas vendredi, j'ai autre chose de prévu. Et donc je ne sais pas, la prochaine fois que je stream, je reverrai. Peut-être un stream sauvage apparaîtra. On verra. Et merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Des bisous et dessus. Et on se dit à la prochaine, des bisous. Bye bye.